Salut les gars, c'est Zozo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé sur Insta de faire une présentation de Long Way Down. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon wrap-up. Juste avant que ça commence, je vous invite à lâcher un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors déjà, pour commencer, la présentation du livre. Alors le livre s'appelle Long Way Down, écrit par Jason Reynolds en 2019 aux éditions Milan. Alors à première vue, les couleurs sont assez grisâtres, voire même fades. Mais je vous laisserai comprendre pourquoi plus tard. Ensuite, pour les pages, alors c'est vraiment du 2 mots par page, hein, c'est sur environ 300. Ensuite, le résumé. Vous m'avez posé plusieurs questions sur Insta en rapport avec le livre. Voici une des questions. Dis-moi Zozo, qui est le personnage principal de l'histoire ? Alors le personnage principal, il s'appelle Will, il a 15 ans et il habite dans un quartier américain, dans un immeuble. Voici une autre des questions. Peux-tu nous expliquer le contexte de cette histoire ? Donc, en gros, Will, il perd son frère lors d'un assassinat juste devant chez lui. Il s'appelle Sean. Il veut se venger en suivant les 3 règles. Donc, ne pas pleurer, ne pas balancer, et se venger. Et voici la dernière question. Où se déroule l'histoire racontée dans ce roman ? Du coup, elle se passe dans un ascenseur. Alors Will, du coup, il prend une arme et il connaît déjà le coupable. Donc, il descend chez lui en prenant l'ascenseur. Et puis là, il y a un monde parallèle entre les morts et les vivants qui s'installe. Alors, mon avis personnel. Alors, personnellement, je l'ai bien aimé, le livre, car il était motivant par le peu de texte par page. Et puis, il était aussi simple à lire. En 2-3 heures, je l'avais torché. Aussi, qu'il y avait pas mal de péripéties différentes en passant par des flashbacks. Donc, j'ai bien aimé le monde parallèle entre les morts et les vivants. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je vous présente différents livres dans votre wishlist, dites-le moi dans les commentaires ou sur Insta. Je serai présent au SLPJ, donc au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, en fin février.